Bonjour les amis, nous revoici sur la chaîne Olium avec Oligo pour une vidéo découverte du jeu Hotel Renovator. N'oubliez pas à la fin de la vidéo de nous laisser votre avis par un pouce bleu, un commentaire, un abonnement ou les trois en même temps. Cela nous aidera à nous améliorer et continuer à vous faire partager notre passion en jeux vidéo. Donc le jeu en question est donc ben, c'est Hôtel Renovator. Donc, hop là, voilà. Hôtel Renovator, c'est une démo. Le jeu n'a pas date de sortie au jour d'aujourd'hui. Il est en français aussi bien pour la démo que concernant le jeu en lui-même. Il n'y a pas de tarif. C'est une simulation construction-destruction déco qui se joue en solo. Pour l'instant, il se joue en souris clavier. Il est mentionné sur Steam qu'il est compatible manette partiellement. Sauf que pour la démo, il n'est pas compatible manette tout court. Donc on va le jouer au clavier souris. Donc là, on me demande. Donc là, c'est le tout début de l'émission, hein. On arrive dans un très bel hôtel qui a l'air d'avoir un petit peu souffert. On m'a affiché que. On m'a affiché en fait que on m'a affiché en fait qu'il allait y avoir des gens qui étaient intéressés pour tourner un clip musical dans notre hôtel. Enfin bon, vu l'état, c'est pas terrible. Là, il faut que j'attrape la petite poupoule. Voilà. Et que je fasse. D'accord, on va faire du lancer de poule. âme sensible, ça veut dire. Au revoir la poule. Ok, super. Je vois pas trop ce que ça a à faire dans Hôtel Rénovateur, mais voilà, c'est original. Donc oui, effectivement, on a un hôtel qui est en piteux état. Il va falloir qu'on rénove une chambre pour qu'ils puissent tourner leur clip. Donc dans la chambre 101, si je ne m'abuse. L'équipe de tournage trouve que notre hôtel est le décor parfait pour le clip musical. Ouais, enfin, pour l'instant, ça ressemble pas à grand-chose. Ah, il est en piteux état. Bon, par contre, ça va, les murs, les décos, c'est pas trop mal, je trouve, ça va, ça me choque pas. Ouvrons la porte, venez voir l'intérieur. Alors, quand la madame va arrêter de parler, écoutez quand je marche. Vous avez des bruits de pas sur le parquet. C'est stylé, je trouve. Alors, on nous parle de notre enfance, que à l'époque, on jouait régulièrement dans cette chambre. C'est la bonne époque. Alors, menu radial. Clic droit. D'accord. Un clic. D'accord. Et reste appuyé. Ah, mais c'est stylé. Moi, je vais rester appuyé. C'est trop bien. Ah, mais c'est trop bien. C'est pareil sur les murs. Ah, mais c'est trop bien. Ça m'est dit pas plus facile. Il va vite fait le l'appart. Oh, c'est trop bien. Dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Hein. Déjà, je vois pas trop l'idée de se prendre un pied de biche pour nettoyer, on dirait une tapisserie quand même, quelque part. Avec du bois aussi, il y a un peu de tout sur la tapisserie, mais. Ah, c'est trop stylé ça. C'est bien. Le plafond est à faire aussi? Ah, lol. Bon, on va faire le plafond. Ah, trop bien. Alors, j'espère juste que le fait de refaire les murs sera aussi rapide et facile que le fait de les enlever. Ça, on verra bien. Ah, c'est trop bien.
Bien sûr, c'est pas tiré de la vraie vie, hein, parce que si c'était comme ça dans la vraie vie, ça se saurait. Je fais des confettis, je m'éclate, je fais du confetti de tout, quoi. Le fou de la gâchette. Trop bien. En même temps, le style était un peu vieillot quand même de la chambre. Donc non, vous inquiétez pas, j'ai pas mis en accéléré, c'est juste moi qui clique comme un fou sur ma souris et donc qui fait du nettoyage en accéléré. J'aurais très bien pu faire un time-lapse aussi, et je le fais un time-lapse, mais en temps réel. C'est l'avantage, c'est les nouveaux time-lapse. Allez, hop, nettoyage. Hop là. La magie. Hop, fini un peu les murs. Mais c'est trop bien. C'est une autre façon de nettoyer, effectivement, de nettoyer l'appartement, quoi. Enfin, l'appartement. La chambre d'hôtel, puisque là, du coup, on est dans une chambre d'hôtel. Ah, mais j'espère que ça va trop bien se louer. Est-ce qu'elle va trop bien se louer, la chambre? Parce qu'en fait, je vais faire de la déco de la mort, quoi. Moi, je veux gagner de la thune dessus. Voilà, c'est pour qu'ils viennent faire un film. Oui, bah avant de nettoyer Gravas, s'il te plaît, j'ai pas fini. T'es gentil, mais moi, je fais pas le truc à moitié, sinon je fais pas. Eh oui, on est perfectionniste ou on ne l'est pas. Et moi, je veux que ce soit nickel. Donc, j'y retourne. Hop, voilà. Avec tout ça propre partout. Hop. Ah, puis j'aime bien les petits trucs de fenêtres là, comme ça, c'est stylé. Alors, du coup, c'est bon? Il n'y a plus rien partout, n'est-ce pas? Mais c'est que je suis bon. Alors, on me demande la roue. Balai. Il y a un peu une tête d'aspirateur, le balai. D'accord. Ah, j'ai zappé un truc. Suppression. Balai. Hop. Ti-ti-ti-ti-ti. Alors c'est original dans l'idée. Je me suis dit, tiens, plutôt que de m'embêter à passer l'aspi à la maison ou de faire les poussières ou machin, j'allais faire un petit stream là sur notre chaîne Olium là. Et qu'est-ce que je fais dans le stream? Je passe aspirateur. C'est quand même un comble. Non, perfect. Moi, c'est pas perfect pour moi. Là, ça va être perfect. Vas-y, hop. Voilà. Là, c'est plus perfect déjà. Alors, recouvrir les murs. Ben, ça, avec plaisir. Revêtement mural. Ah, stylé. Ah, je verrais bien. Le brique. Ah, je verrais bien ça autour des fenêtres. Ça ferait trop stylé. Il y a quoi comme autre truc? Ah, du bois. Enfin, ça, c'est des trucs qui sont cadenassés. Ça, c'est plus en extérieur. Ça, c'est sympa, mais est-ce qu'il y a d'autres couleurs? Tab. Ah.
J'aime bien en fait en briques noires. Mais plus celles-ci, elles sont plus sympas. D'accord, je reste cliqué et ça s'installe, nickel. C'est que du bonheur. Tiens, on a un pigeon dehors. Enfin, je lui demande s'il a vu s'il a vu la poule que j'ai jetée tout à l'heure. Je sais pas encore ce que je vais avoir pour faire le reste des murs, mais au moins j'aurais fait le contour des fenêtres. Ah, ça j'adore. Ah, si j'adore, ça fait trop stylé. Bon, par contre, je trouve quelque chose à mettre au mur, moi. Panneau. Qu'est-ce que c'est ça, panneau? Ah, d'accord, il n'y a que deux choix. Plusieurs couleurs, mais deux choix, quoi. Faut quelque chose de clair, sinon la pièce, ça va pas le faire. Carreau de pierre. Ça fait plus salle de bain, quand même. Céramique. C'est pareil, salle de bain, cuisine. Papier peint, motif. Ouais, alors c'est comme ça avec. De toute façon, c'est bloqué. J'aime pas. Papier peint massif. J'aime pas le style en fait. Illustration. Des bananes. Alors ça c'est pareil, ça va plutôt être pour autre chose. Et de la peinture seule, c'est possible. Ah mais juste peint. Je trouve ça beau. Ah je suis revenu, j'ai fait le tour. Ouais, alors là par contre. Alors sinon, faut que je me mette en style. Qu'est-ce qu'il y a comme style? Ça donne quoi ça? Ah, c'est pas trop mal en fait. C'est que je suis pas sûr de faire toute la chambre comme ça. Moi. Attends, on va voir ce que ça donne. De loin comme ça, visuellement, ça fait pas mal. Par contre, toute la chambre, ça va peut-être faire de trop. Attends, j'ai une idée. On va essayer de faire un truc. Je me serais bien vu faire une partie d'un mur, du coup. Avec le retour, là, éventuellement. Voilà. Et là, mettre éventuellement un revêtement. Ah, ça aurait été stylé. Ah, attends, je vais regarder un truc. Je vais enlever ça. Je vais reprendre mon aspi. Donner un petit coup d'aspi vite fait. Et dans l'idée, j'aurais plutôt mis un rappel. Est-ce que j'ai mis au niveau de la fenêtre? Sauf que là après, je vais peut-être pas mettre ça, faut que je mette un revêtement. Il y avait des panneaux en bois, je crois.
quelque chose de clair. Clair, clair, clair. Clair comme ça, c'est pas trop mal. Bon, après, je fais avec les moyens du bord parce que c'est pas comme s'il y avait énormément de choix non plus. Bien sûr, on est sur de la déco américaine, donc les goûts et couleurs, hein, c'est pour chacun. Ce plaquage bois, c'est énorme. Alors par contre, faut que je me fasse un plafond aussi, parce que c'est bien d'avoir viré le plafond, mais peut-être que je mette quelque chose au plafond. Couleur, bah, on va peut-être faire quelque chose comme du blanc, hein? Un plafond plutôt blanc serait pas mal. Pourquoi gris? Blanc, blanc. Ouais, blanc fumé, ça ne choque pas tant que ça. D'accord, je bouge la souris pour faire tout comme ça. Bon, bien sûr, hein, je fais ça au crayon, hein. Okay, hop, voilà. Hop. Je finalise là. Ok, j'aime bien. Oh, c'est un style, hein. C'est histoire de voir. Moi, j'aime bien, je trouve ça sympa. C'est stylé. Le sol. Alors, voyons voir le sol, là. Vêtements de sol. Bois, carreaux de pierre, céramique. Ou tapis. Ah non, pas de la moquette, ça va faire trop moche. Ah, c'est stylé. Il y a une couleur qui change suivant si vous êtes au soleil ou si on est à l'ombre. Ça, c'est bien foutu, ça. J'aurais bien mis un truc sympa et... Ah, j'adore ça, ce style. C'est vraiment un style que j'aime beaucoup, de bois. Des bois comme ça. Propre. C'est au moins 200 $ la nuit. Je sais pas combien j'ai dépensé, j'avais 20 000 je crois au départ. J'ai dépensé déjà 5 000 balles quand même pour faire le... Allez, mine de rien, ça représente ça. Oh, ça, c'est même pas 1 000 balles là pour le sol. Je vais peut-être les atteindre, mais je suis qu'à 970, 90, 1 000. Ça y est, j'ai atteint les 1 000. Ah ben, le sol, c'est rapide. Ah, oh, c'est sympa. Ah, j'aime beaucoup. Alors, ils arrivent bientôt. Regardez la tablette, réservation. On a deux personnes. Enfin, j'ai... Ah, d'accord, je les mets pas dedans pour l'instant. D'accord, bah donc allons-y pour l'ameublement. Il nous faut quoi du coup? Alors ok, Nelly. Lily. Hop. Q pour tourner et E. Ah d'accord, c'est quoi qu'on choisit? C'est quoi là? Ça c'est quoi? C'est un style bois? Oh, style boisé, c'est pas mal.
D'accord. Donc il y a un faux mur qui fait que du coup ça évite d'aller plus loin que le mur. Donc pour caler au moins c'est pratique. C'est bien. Hop, on va mettre deux lits. Désolé, je peux pas choisir la couleur. Donc là pour le coup, je ne sais, je pense qu'ils ont limité pour l'instant. Des lits sans table de chevet, c'est nul. Hein, on est d'accord. Qu'est-ce qu'il y a comme table de chevet? Ah oui, c'est un peu limité en plus, cette table de chevet. On va faire ça comme ça. Hein. Voilà. Petite table de chevet qui va bien. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Table. Un style de table. Ça fait trop bien. Ouais. Ah bah c'est ça que j'aime bien. Et je peux pas changer la couleur? Ah bah si! C'est la touche espace pour changer la couleur. Y a pas un ton un peu wengé ou un truc comme ça? D'accord, j'ai un ton un peu foncé comme ça. Mais je suis en train de penser, les lits, j'ai pas possibilité. Non. Ah bah voilà. Ah mais c'est trop stylé. Mais c'est ça que je voulais moi. Ah mais trop bien, j'adore. Ah mais en fait si, il y a plein de choix, mais c'est trop bien ça. On va faire quelque chose de plutôt classique, hein. Enfin classique. Ça dépend de la couleur que je choisis, bien sûr. J'adore. Mais ça va pas être le style. Non, il faut que je change le style du coup de. Il faut que ça aille dans le style avec la pièce, puisque j'ai mis au plus. Puisque j'ai mis au mur. Ça, ce serait pas mal. Il faut juste une couleur qui soit sympa. Tout ce qu'il y a comme choix, mais c'est trop bien. Ça me plaît bien. Ah, mais c'est trop bien. Ah, je vais faire la même. Ah, oh, c'est bien. Il garde la mémoire. Ah, c'est bien ça aussi. Du coup, il garde la mémoire. J'ai pas besoin de resélectionner. Ah, c'est pas mal ça. Donc, du coup, il me manque quoi? Chaise. Chaise, chaise, chaise. Ça dépend des couleurs. Ah, c'est juste les assises. En gros, je reste dans les mêmes choses, mais avec une autre, avec un autre coloris. Et sa petite sœur. Des rangements. Rangements. Ça va être une armoire, ça. Ouais. C'est pas mal, ça. Mais on range pas grand-chose là-dedans. Ouais, étagère. Armoire classique. Armoire, ok. Et t'as quoi comme matériau ou comme couleur? Ah!
Ajouter des lampes. Je peux mettre un plafonnier ou pas? Il y a pas mieux. Oh, putain, il y a des... Ah purée, il y a des plafonniers, ils sont trop stylés. Ça fait trop art déco, mais ça va pas avec le style de la chambre. Mettre un plafonnier comme ça, il faut changer la couleur par contre. Lol, on peut changer la couleur de l'éclairage. C'est trop de la balle. Bien sûr, ça me l'a pas compté parce que c'est pas une lampe, donc on est dans lampe. L'éclairage voulu pour la nuit. Stylé. Décoration debout. Le petit Bouddha. Donc décoration debout, c'est ça. Ok. C'est quoi comme déco? Parce que j'ai bougie. Hein, pas trop. Un narguilé. Oui. Je peux éventuellement vous mettre un bouquin ici. Il faut juste que je mette dans le bon sens. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Une pierre vache. Ouais, il y a un truc là. C'est quoi ça? Est-ce que je peux mettre un autre petit meuble? J'aimerais bien mettre un truc dessus. Étagère. Oh, c'est sympa ça. Ouais, j'ai pas changé la couleur. C'est juste pour mettre un objet dessus. Ça va être pour mettre une déco. Non, pas des bougies, je m'en fiche des bougies. Ça aussi. Voilà, donc ça c'est comptabilisé. Il faut. Ah purée, j'ai changé. Décoration murale. Alors. C'est un miroir, ça, d'accord. Y a des trucs qui sont juste en fer. Nord sur nord, ça peut être terrible. Hein. Ah, trop bien. J'aime bien le côté art déco de ce truc-là. Ça, j'aurais plus ça là. Autour de la salle de bain. Alors moi, pour le début, bon après je sais, les tableaux, ouais, ça correspond pas trop, mais c'est avec ce on fait avec ce qu'il y a, mais déjà avec ce qu'il y a, c'est sympa. Alors la salle de bain, c'est-à-dire. Ah oui, effectivement, c'est THE salle de bain, quoi. Bon, et eh ben je vous propose une chose, c'est de. Hop là, fermez la porte. Et puis, bah du coup, qu'on se retrouve pour un prochain stream sur Hôtel Rénovateur. Donc, je vous ferai la suite de la découverte avec la salle de bain. Portez-vous bien. Bye bye.